Pâques, qui coïncide avec la fête de la divine miséricorde. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous fait le récit de l'apparition de Jésus à ses disciples 8 jours après sa résurrection. Alors que les portes étaient fermées, Jésus manifeste tout d'abord sa présence à ses apôtres en leur apportant sa paix, puis à Thomas, ce disciple qui ne voulait pas croire en sa résurrection sans le voir. Comme Thomas, nous avons aujourd'hui beaucoup de chemin à parcourir pour devenir et rester croyants. Puisse Dieu, au cours de cette célébration eucharistique, nous aider à vaincre nos doutes et nos réticences à croire en sa divine miséricorde infinie. Prière de vous lever et entamons le chant d'entrée avec la chorale.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce deuxième dimanche de Pâques, dernier jour de l'octave de Pâques, nous célébrons la fête de la divine miséricorde. Nous proclamons, nous célébrons la miséricorde de Dieu. Dieu est riche en miséricorde. Il est toujours prêt à nous manifester sa tendresse, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde. Il est toujours enclin à nous prendre en pitié. Au seuil de cette célébration, accueillons la miséricorde du Seigneur. Laissons-nous transformer par elle en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
ciel. Vive bon Dieu noir qui dans ciel là. Éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés. Quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères, au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 117.
grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi, qui donc est vainqueur du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 20, du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Révérend Père, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Bon dimanche de miséricorde à chacun et chacune de vous. Merci. Le deuxième dimanche de carême est baptisé. Le deuxième dimanche de Pâques, Père fatigué. Ça se comprend, il fait lapsus. Il est fatigué. C'est ça.
on est fatigué. Il y a tellement de mauvaises situations qui nous fatiguent, qui nous bouleversent l'esprit. Le prêtre est fatigué. Alors, il doit aller se reposer. Le deuxième dimanche de Pâques est baptisé dimanche de la miséricorde divine. Non. Cette fête a été décrétée par le pape Jean-Paul II vers les années 2000. C'est dimanche que sensible, bon Dieu, grand maître là. Miséricorde, c'est dans deux mots latins. Misericordis. Misérie, c'est misère. Cordis, c'est cœur. C'est bon Dieu qui penchait cœur sous misère les hommes. C'est bon Dieu qui acceptait souffrir avec les hommes. Il y a un grand théologien qui dit ceci. Un Dieu qui ne souffre pas avec nous, c'est un Dieu qui ne peut pas nous sauver. Bon Dieu, lui connaît misère non. Il y a un monde qui pas connaît misère. Ce monde même si ou dit lui ça, il pas connaît misère. Même si vous t'a dit lui dans misère, il pas comprendre la pensée ou charabia. Un monde qui pas connaît grand goût, même si vous t'a bon côté ou dit lui grand goût, l'a ri ou l'a passé dans jouette parce qu'il pas connaît grand goût. Ça ou le grand goût, il pas connaît lui. Mais il y a des gens qui connaissent grand goût, il y a des gens qui habituent à souffrir grand goût. Et pour dire le grand goût, il n'y a pas sous bluff, alors il n'y a pas tant que le monde. Non, il y a sous bluff. Il y a sous bluff. Quand tu mets plein à déborder, il y a des grand goût. Qui ça? Un ventre moins plein, c'est vrai, mais ça peut être le bon moyen. Ma série, ou demain, on va faire comme ça. Ou pas grand goût, pas dire grand goût. Parce que l'ovine, il y a une paix, ou dit paix au grand goût, ça a bouleversé paix, ça a tourmenté paix. Moun ki konn douleur, moun ki konn souffri, moun ki konn misère, eh bien c'est moun ça lor dil ou nan misère, ou dil ou grand ou dil ou gen problème, ça a bouleversé li. Frèm yo sèm yo, c'est m'expliquer non comment misère non yo toucher cœur bon Dieu. Comment bon Dieu li fléchit devant misère non yo, devant difficulté non yo, devant calamité non yo. Frèm yo sèm yo. Dans premier mot sur la Bible là, nous voyons comment yo expliquer non qui Jean premier chrétien ont été vivre, qui Jean apôtre ont été vivre dans première communauté chrétienne yo, qui ça ont été fait, ont été vivre dans solidarité. Yo te mettez tout ça yo gagné en commun. Pas gagne monde qui te cap dit ah ça c'est affaire pas nié. Ah ça c'est pour moi lié. Non, yo mettez tout ça yo gagné en commun. Une jour d'hier, c'est élan solidarité ça nous besoin dans pays non. C'est élan tête ensemble ça nous besoin dans pays non. Il y a game on va garder non. Au président, au président papa, au président on y a pas game on va garder. On est dans cette tête ensemble non. C'est élan ça nous besoin pour nous vivre dans pays non. À la belle pays à ta belle. Si tout bon vrai, tout haïtien te apprend vivre yon avec l'autre, te apprend partager yon avec l'autre, te apprend remè yon l'autre à la belle pays à ta belle. Si tout bon vrai, ça nous te gagne, nous te mette li en commun, même j'en première communauté yo te fait li. Au lieu pour yo mette ça yo gagne en commun, alors m'a parlé de nous même génération pa nou an. Eh bien, qui ça yo fait? Eh bien, yo prend tout pour yo. Yo prend tout pour yo. Yo prend tout pour yo. Ça qui t'a pour servir peuple là. Yo prend le yo ta wè peuple la vle révolté, yo ta wè peuple la vle mande yo compte. Yo pété coquin. Yo pété coquin. Nou konn sa yo fè. Oui, je non dans quartier populaire yo na wè. Na comprendre sa yo fè. Nou pa fè politique, la politique n'a fè c'est l'évangile n'a prêché. Yo prend tout. Sa pou ta baye peuple la en justice, mais mon charité ou pas balil. C'est ça qui fait une yodéa, société a li explosé. C'est ça qui fait une yodéa, n'a pas souffri, j'en ai souffri. C'est parce que chaudière a li pas bouilli de bord. Chaudière a bouillé un seul bord. Eh bien, depuis chaudière a bouillé un seul bord, ça va passer à manger. Non, mais répondre moi, oui. Mon qui vous fait manger, yo. Mesdames, au caillou,
qui gagne 10 douettes. Madame Bordeaux-Presse, qui compte faire bon manger, bon bagaille. Je ne sais pas si mon Bordeaux-Presse compte faire manger, mais mon Okaï, mon Okaï, il est bon dans ça. Les choses, il n'y a pas de bruit de bon. Vous comprenez ce qui a passé? Manger, la tremper, la fade. Moi, je mets tous les ingrédients là-dedans, il n'y a pas de goût. Boire les bouillies, après le bien cuit, les bon, et bien l'autre boit, après le ciao. Je fais manger, je n'ai pas besoin de faire, je ça m'a dit, il va vous monter. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, mais ça fait que je dis à toute souffrance ça. Dans l'évangile, je dis, Jésus continue à faire apparition. Il paraît je dis encore devant partisans. Il y a trois bagailles pour nous kembe dans l'apparition de Jésus. Premier bagaille là, Jésus paraît devant partisans. C'est pour lui capable dissiper la pérèse de la caillou, dissiper la peur, la crainte. Parce que il dit non, par la peur des Juifs, les portes étaient verrouillées. Monsieur a fermé les portes caillou parce qu'il était peur juif. Jésus vient, il vient éliminer la pérèse de la caillou, partisan lio. Il nous dit, nous vivons dans la pérèse. Nous peur. Alors que la foi, pas marcher avec la peur. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas besoin de peur. Pas peur. Parce que, ou pas pour contour. Hein? Parce que, nous-mêmes chrétiens, nous ne pas petit mis sans garde. Nous ne pouvons pas gagner pour nos peurs. Jésus dit, partisan Lio, la paix soit avec vous. Liban, que poser grand maître là avec nous. Il retire la caillou, la pérèse, la crainte des Juifs. Deuxième bagaille pour nous kembe dans l'évangile, je dis, Jésus, Livine, montre partisan Lio que mission par là, il continue dans mission par Yoa. C'est ça, l'église là. L'église, c'est le Christ continué. La mission du Christ continue dans la mission de l'église. Ça, Jésus lui-même, il était commencé, et bien c'est l'église là qui a continué jusqu'à ce que Jésus lui-même lui tourne et vienne chercher l'église. Il baptise en lieu, même je ne peux pas voyer maintenant, moi-même tout, moi voyer non. Il souffle sur lui, il dit c'est pour nous recevoir l'Esprit Saint. Moun nous pardonner, péché yo a pardonné. Moun nous qui me péché yo a kembe. Le sacrement du pardon et de réconciliation. L'église a le pouvoir de pardonner les péchés. L'Église a le pouvoir de retenir les péchés. Les prêtres, ils ont le pouvoir ça pour ne pas donner péché, non. On ne peut pas vivre dans l'ignorance par rapport à sacrement, réconciliation, à pardon. Troisième bagaille pour nous, Kembe, dans l'Évangile, Jodia, c'est que Jésus, les vini pour nous vivre en liberté, pour nous pas esclaves en rien, pour nous gagner la paix, pour nous gagner la tranquillité. La paix, Jésus, bon nous, il bon nous à la manière des hommes, mais il bon nous, c'est la paix qui est durable. C'est la paix qui est éternelle. Les hommes pas capables de bailler la paix. Les hommes pas capables de bailler cœur posé. Gros âmes à destruction massive pas capables de boire la paix. Non. La paix, c'est dans bon Dieu sa sortie. Frère mio, sœur mio, on nous cherche à vivre en paix l'un avec l'autre. On nous cherche à vivre en paix avec un bon Dieu grand maître là. On nous cherche à vivre en paix avec frère Axel Noyo. Pendant qu'on cherche à vivre en paix avec propre tête, pas non. On nous cherche à réconcilier avec bon Dieu. On nous cherche à faire volonté bon Dieu. On nous cherche à rester dans le commandement bon Dieu. Jean-Saint-Jean dit non dans le deuxième morceau de la Bible. Là. Parce que le monde qui croit, qui rete dans le chemin bon Dieu, le monde ça
li gen la victoire. La victoire sur péché, la victoire sur la mort, la victoire sur tout ça qui mal. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble nous prenons proclamer la foi nous dans bon Dieu. Nous prenons réciter credo et m'a rappelé nous dans credo a gain deux formules, gain symbole de Nicée Constantinople, c'est formule qui plus longue et puis gain symbole des apôtres, c'est formule qui plus courte là. On pral di symbole des apôtres là, mais m'a pas tiré attention nous, il y a pile monde qui remet dit je crois au Saint-Esprit. N'a dit plutôt ça l'église là. M'a dit non pour nous dire je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint. Ensemble, unissons nos voix et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ces jours très saints, et en ce jour où nous célébrons la fête de la Divine Miséricorde, supplions le Père Tout-Puissant, le Père Miséricordieux, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Dans grand jour ça, n'a pas prié grand maître pour dirigeant l'église ouan. Pape François, évêque yo ak pè yo, qui toujours ap travail chaque jour dans l'idée pour aider nous kembe la foi nous ferme dans bon Dieu. C'est pour souffle l'Esprit Saint
continuez à guider les paroles et les actions pour qu'ils aient toujours aidé nous à croire dans la présence de Dieu, même les nos paroles. Grand Maître, écoutez-vous. Dans grand jour ça, côté n'a fêté miséricorde bon Dieu, en nous mandel pour lui toucher une façon spéciale, que dirigeant pays noir, pour entrer dans fond conscience et l'ouvrir yo sur réalité sans pareil ça qui n'a vive dans pays nous Haïti. T'en prie grand maître, écoutez voix nous. La prière est une façon spéciale pour si la yo kap trimen en bas toute qualité calamité. Qui pa wè ni devant ni derrière, jou ki ap mande tèt yo, est-ce que bon Dieu existe tout bon vrai? N'ap mande au grand maître, même Jean ou te fait pour Thomas, fais yo senti présent sou dans la vie yo. T'en prie grand maître, koute vwa nou. Dans grand jour ça côté n'a fêté miséricorde bon Dieu en nous la prière pour communauté paroisse nous pour si là qui la jodia à ça qu'a suivre nous sur réseaux sociaux en nous demander bon Dieu pour l'aider nous travailler chaque jour plus pour nous arriver construire une société côté youn bien qu'elle sensible pour l'autre tout bon vrai côté n'a vivre dans tête ensemble. Comme ça, lumière émaillante va arriver éclairer tout ça qui nous fait noir péché. Bon Dieu, dans miséricorde, roi, écoutez voix nous. Prions en action de grâce avec ceux qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux. Marie-José Amboise Poulard et Wilfried Poulard, à l'occasion de leurs 36 ans d'anniversaire de mariage. Alix Lefruy, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Antoine Maria Lamarie-Jeanne, Chris Tyler Smith-Préval, de la Tour Cynthia Mercier, Hernani Milan, Franck Pinchina, François Minouche, Jean Louverture Labissière, Marie Ilosia Amitis, Marie-Marie Dorsin, Nerland Louis, membre du groupe Les Bien-aimés de Marie, Philomena Félizier, Philomise Granville, Roosevelt Gervais, Rose Alcine Cadet, Sibiris Julie, Aristène Kerby, Soukaina William, en nous la prière. Oh,
pendant un moment de silence, en nous demandant bon Dieu, donne la grâce pour nous toujours faire confiance. Pour nous toujours compter sur lui. Pour nous croire que lui est là, lui est avec nous, lui est bon côté de nous. En nous demandant, bon Dieu, la grâce. Pour nous toujours recourir à miséricorde. Pour nous toujours plonger nous, immerger nous, laguer nous dans la source que sensible, dans la source miséricorde. En nous demandant, bon Dieu, fais-nous grâce. Pour que nous-mêmes, tous, nous capables de gagner un cœur sensible, nous capables de gagner miséricorde, l'un pour l'autre. On demande, bon Dieu, la grâce pour nous tourner apôtres, pour nous tourner témoins de résurrection, Jésus, de miséricorde, bon Dieu, de remède, bon Dieu. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux que tu as fait naître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant,
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Saint-Père le Pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
sur nos frères et sœurs qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs, sur les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur nos parents, nos amis, sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nous faire ventes prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Alta Grâce, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offenser, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion
ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Et grand-père, frères et sœurs bien-aimés, une autre fois encore, bonjour. Mais annonce nous gagnons dans la paroisse là. Il y a ce dimanche, ce deuxième dimanche de Pâques, ce dimanche que sensible, bon Dieu, grand-mètre là. Nous avons une messe à 6 heures, messe qui va finir tout à l'heure. Nous avons une messe à 8 heures, à 10 heures et à 4 heures dans l'après-midi. Merci en semaine, c'est aux heures habituelles, à 6 heures, à 7 heures et à midi. Lundi 8 avril, c'est solennité de l'Annonciation du Seigneur. Tous les vendredis, à partir de 4h30, dans l'après-midi, il y a adoration du Très Saint-Sacrement. Avec le groupe Les Adorateurs. Nous invitons pour nous venir participer, venir adorer Jésus dans ce sacrement avec vous. Tous les samedis, il y a une journée de prière et de jeûne que le groupe Fraternité des Chrétiens Catholiques a animé pour nous venir la prière avec vous. Dimanche 14 avril, c'est le troisième dimanche Pâques. Dans l'année B, il y a une messe aux heures habituelles, 6h30, 8h, 10h et 4h dans l'après-midi. Nous encourageons pour nous abonner à la chaîne radio, télévision Altagrâce, sur YouTube et Facebook, TikTok. Nous encourageons les amis, les familles, pour nous abonner tout. Comme ça, il y a plus de monde qui arrive, qui connaît l'évangile. Il y a plus de monde. Que l'évangile arrive à toucher cœur yo pour cœur yo capable changer pour capable gagner la vie dans Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Les paroisses là dit tout le monde qui était participé dans carême partage là, merci pour don yo te bay pour générosité yo. Nous disons merci tout à tout le monde qui déjà bail contribution par yo pour nous capables payer nouvelle acquisition nous faire nouveau terrain nous acheter pour paroisse là nous commencer payer maintenant jou k ap venir yo ta supposé bail un deuxième versement dans sens ça que les paroisse là invité non pour nous très généreux pour nous bail participation par non c'est bail qui dit oui les pères doués il va bon. Comme Axel Mio n'a quitté Yomit Péro dans la prison. Et des gens qui répondent. Moi, je n'ai pas quitté Almé Kiri dans la prison, non. Je suis passé dans la place. Je dis mon yo, non. Père Kiri va aller dans la prison. Mais pour un père Séraphin dans la place. Alors, nous ne pas arriver, ça arrive. Je invite non pour nous faire une contribution, non. Faire une participation, pas non. Pour nous payer la dette, nous gagner. Nous disons tout le monde merci qui te rend célébration la messe là possible. Merci à Pécurie paroisse là malgré ses devoirs là mais les papas rendent nos services ou doivent dire papa merci c'est l'usage et parce que les papas ils font pareil pour pas dire merci non merci Pécurie pour ça et pour non un bon papa toujours pour prendre soin non merci mon père pour ça et pour non rete mon nom hier merci à l'autre père yo père Jano père François père Elano malgré santé li par à bout fixe de toujours venir la messe, nous disons merci pour courage, li, merci pour détermination, li, merci pour s'allier pour nous dans la communauté. Ya. Merci à Frère, non, Père Talleyrand, Jeffrey Tiner pour s'allier pour nous. Merci pour participation dans la célébration de la messe. Là. Merci à Fon Keyo, merci à Koral. Là. D'abdanser dans un chant remerciement, un bel chant remerciement. D'abdanser. Timos, on a commencé à rap, on a commencé à danser reggae. Oui. Non, c'est reggae, un père à danser. Merci, chers choristes, merci, chers frères, chers sœurs, pour ce que vous êtes.
Et me dit courage là, merci surtout pour chant remerciement. Merci en pile. Merci en pile. Mais c'est première fois me tendre lui, me pas connait si un monde dans courage là qui composé lui, mais première fois me tendre, me pas habitué tendre, il fait que me content me danser tout hier corps, merci. Merci à frère le maître en sacristain non frère Tochon sacristain non, merci à technicien caméraman yo. Merci à quand fidèle auditeur à auditrice cadeau télé Alta Grâce même qui t'a participé à travers les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Merci à tout comité, comité santé, comité quêtan, comité ordre Alta Force, comité accueil. Merci à tout le monde à la honte badé. On va tomber le bravo pour tout le monde. Nous voulons prendre un petit temps pour nous souhaiter joyeux anniversaire à Frère Action. Nous avons célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Marie-Josée Amboise Poulard et Wilfried Poulard. Nous avons célébré 36 ans de mariage. 36 ans de vivre ensemble. Si vous bon Dieu qu'on mette là, continuez béni yo pour qu'on célébrer plusieurs 36 ans encore. Les anniversaires de naissance à Alix Lefroy. Mon cap célébrer yo avancez s'il vous plaît. C'est que mon dans l'assemblée qui a célébrer un événement heureux dans la vie aujourd'hui, rapprochez-vous de l'hôtel là. Les anniversaires à Alix Lefroy, à Antoine Mariala, Marie Jeanne, à Christian Tiller, Smith Préval, à De La Tour, Cynthia Mercier, Hernani Milan, Franck Pinchina, François Minouche, Jean Louverture, Labissière, Marie Lozia, Amitis, Marie Martin Dorsin, Nerland Louis, qui est membre en groupe Les Bien-aimés de Marie, Philomena Félizier, Philomise Granville, Roosevelt Gervais, Rose Alcine Cadet, Chibiris Julie, Aristène Kirby, qui anniversaire à quand. Sur Kaina William. Les anniversaires à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui et que nous n'avons pas dans l'espoir, nous, mais nous dans le cœur bon Dieu. C'est au bon Dieu qu'on mette la fin, la prière de grâce et de bénédiction tomber sur vous pour qu'il y ait ce qui est nécessaire pour la vie corps et la vie d'homme. Alors, les vignes jouent moi, c'est fait aujourd'hui. Après messe, la main des paroles pour passer dans la sacristie avec elle. Pour qu'on balle une bénédiction spéciale, les vignes joignent moi. Je bah, ne pour que ça vienne joindre moi. Et bon Dieu qui connaît. Merci à Perséraphin. Bravo pour lui. Merci pour ça, Perséraphin, pour nous. Merci à tout Peyo. Et merci à notre confrère Peyo qui parle là, mais qui a dans la deuxième messe, dans la troisième messe et dans la quatrième messe. Merci pour le dévouement, pour la collaboration. Merci à nous toutes, merci à nous chaque. J'ai deux petits rappels que nous, demain, en fait, d'abord pour aujourd'hui, c'est fête divine, miséricorde. Pas oublier, dévotion à la divine miséricorde sont dévotions fondamentales, importantes. Nous encourageons pour nous pratiquer dévotion ça, pour nous cultiver dévotion ça, pour nous faire prière divine miséricorde chaque jour. Et spécialement jeudi, quel que soit ça où tu as fait, à 3 heures, quitte-le pour faire prière
divine miséricorde jodia. N'a bien prié dans l'église là et n'a bien le tout sur radio télé Alta Grâce. Et nous encourager nous tous pour nous tourner apôtre, pour nous tourner témoin de la miséricorde de Dieu. Non, vive bien youn ak lot. N'a gen cœur sensible youn pour l'autre et n'a posé des œuvres de miséricorde. Gen plusieurs œuvres de miséricorde corporelle, œuvres de miséricorde spirituelle. Pas passé yon jour sans pas poser yon œuvre de miséricorde. En autre précision pour demain. Demain, c'est qui date? C'est 8 avril. Et l'église là a célébré solennité de l'annonciation du Seigneur. Fête annonciation, hein, c'est qui date nous qu'on célébrer le 25 mars. Année ça, exceptionnellement, puisque 25 mars, il était tombé dans la semaine sainte là. Et pour nous être capables de vivre la semaine là, dans tout mystère ça, dans tout ça que vous gagné, dans la globalité, l'église là, il était reporté fête là. Pour demain. Et li pa metel non plus nan pendant octave de Pâques là parce que octave de Pâques c'est 8 jours, c'est comme si son seul jour de fête. 8 jours de fête, octave de Pâques, 8 jours de fête. Et l'église nan sagesse li ban nou possibilité pour nous célébrer résurrection Christ là, le jour de la résurrection. Dans 8 jours, c'est peut-être ça, pendant toute octave de Pâques là, nous t'ai gagné Gloria. Donc demain, si Dieu veut, c'est fête annonciation, c'est solennité, c'est fête d'obligation. Nous tous nous invités pour nous participer dans la messe. Si il y a un empêchement ou pas capable de venir à l'église, suivez célébration ça sur radio, télé, Alta Grâce. Et nous encourageons-nous, vive la foi nous. Vive la foi nous chaque jour. Vive la foi nous au quotidien. Et témoigner de la foi, nous. Encourager l'autre monde pour vivre l'église. Encourager l'autre monde pour croire dans bon Dieu. Encourager l'autre monde pour servir bon Dieu. Encourager l'autre monde pour faire volonté bon Dieu. Merci à nous toutes. Merci à nous chaque. Pas oublier, il y a un instrument que nous gagnons pour nous faire évangélisation. C'est moyen de communication, yo. C'est radio, c'est télévision. Moyen de communication, yo, important pile pour nous faire évangélisation. Faut nous mêmes chrétiens nous utiliser, yo, pour nous évangéliser, pour nous annoncer bonne nouvelle, pour nous porter l'espérance, by tout le monde, pour nous faire tout le monde connaître bon Dieu. M'a invité nous connaître là, camper, n'a pas saluer maman nous avant de nous recevoir bénédiction. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Miséricorde. Du cœur de mon Seigneur, miséricorde. Du cœur de mon Sauveur, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. En nous inclinant nous pour nous recevoir bénédiction, bon Dieu, que toute paix yo abandonne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais.
qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne fête de la Divine Miséricorde. Vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie.